Notre vaisseau a atterri au spatioport après un voyage de 2 années. Nous avons quitté nos caissons de cryogénisation avec les muscles noués après une hibernation par essence sans fin. Un homme en uniforme de l'armée nous amena de notre vaisseau à nos quartiers pour la durée de notre voyage. En passant dans un tunnel en verre, il nous montra les vastes étendues de la planète rouge. Et ils m'ont fait venir pour que j'étudie les galeries, un gigantesque réseau de tunnels juste sous la surface de Mars. En observant l'horizon, je remarquai d'étranges formes triangulaires dans le paysage. Sur le coup, je supposais que c'était naturel. Une chose surprenante, les galeries se dirigeaient toutes vers ces gigantesques montagnes triangulaires. Le militaire me dirigea au couloir menant à mes quartiers. Il me donna un repas à réchauffer et de l'eau purifiée. C'était simple et pas tellement bon, mais je n'avais pas mangé de nourriture comme cela depuis 2 ans. Ils me laissèrent 48 heures pour m'acclimater à la planète, puis j'aurai à étudier les galeries autour de la pyramide. Après avoir mangé, je suis allé au gymnase. Un médecin était là pour m'aider à reprendre le plein contrôle de mes muscles et les réactiver de manière saine et sans risque. C'était une délivrance. Même la douche glacée juste après était un bonheur. Après cela, je partais à la découverte de la station. Ici, l'entraide était essentielle sur une planète aussi lointaine et peu hospitalière. Nous ne pouvons pas nous permettre les querelles que nous connaissons sur Terre. Alors, nous nous entraidons. J'ai commencé à me présenter aux personnes autour. Je leur expliquais que j'étais géologue et que mon rôle était d'étudier les fameuses galeries se dirigeant vers les pyramides. Il y eut un silence. Une femme s'approcha de moi et me dit de faire très attention. Le dernier géologue à avoir été là-bas était revenu dans un état lamentable. Il parlait seul, il ne semblait plus être là. Quelques jours plus tard, il avait été retrouvé mort à l'extérieur de la base. Le staff médical supposa qu'il n'avait pas su s'adapter au nouvel environnement dans lequel il était, et que ça lui avait fait perdre la raison. Mon supérieur m'a dit que si j'avais besoin d'une journée de plus pour m'acclimater, c'était possible, et qu'un thérapeute était là si j'avais besoin. Je lui ai répondu que j'avais attendu 2 ans dans une boîte à glaçons pour ce moment, mais que je les préviendrais si j'avais le moindre problème. Nous sommes partis quelques heures plus tard. Il nous faudra un peu plus d'une heure pour rejoindre les galeries en rover. J'étais accompagné d'un autre géologue. Le ciel se dessinait en nuances d'orange, de vermillon et d'écarlate, décoré de millions d'étoiles. C'était magnifique. Les montagnes immenses se dressaient autour de nous, leurs ombres s'étirant à l'infini. Malgré les couleurs flamboyantes nous entourant, l'air était glacial et pénétrait ma combinaison. J'ai bougé mes doigts et mes orteils pour activer le système thermique de ma tenue, me réchauffant instantanément. Le rover se stoppa finalement, et nous en sommes sortis pour aller travailler. J'ai pris de petits contenants en verre que j'ai remplis avec des échantillons de sol autour de la pyramide. J'étais tellement impliqué dans mon travail que je n'ai pas entendu les cris de panique de mon collègue, ni vu l'immense nuage de poussière qui nous arrivait dessus. Des éclairs traversaient la poussière et fracassaient le sol autour de moi. J'affrontais les bourrasques infernales de la tempête, la tête baissée, le bras tendu devant moi, jusqu'à ce que je sente, sous ma main, la paroi de la pyramide. Je comprenais à son contact qu'elle n'avait rien de naturel. Elle avait été construite ici. En avançant tant bien que mal, la main collée à cette paroi lisse, je finissais par découvrir une sorte de passage vers l'intérieur. Le calme et l'obscurité soudaine me firent un peu perdre mes moyens. J'allumai la lampe située sur mon épaule et j'observai autour de moi. J'étais dans un très long couloir. Les murs étaient couverts de matériaux étranges, ressemblant à des métaux que je ne connaissais pas. Des profondeurs de la pyramide sortit alors un bruit qui se rapprochait de plus en plus.
un bruit indescriptible et inconnu. Après quelques instants, je comprenais avec horreur que c'était quelque chose qui se déplaçait. Quelque chose de vivant. Je voulais fuir, mais ma formation scientifique, et surtout ma propre curiosité, me força à rester sur place. J'attendais, observant le couloir par le simple halo lumineux de ma lampe. Alors, vis-je cette indescriptible créature aux immondes traits. Elle se déplaçait sur son ventre apparemment, mais était dotée de pattes qui devaient lui servir à attraper ses proies. Sa tête était disproportionnée et son regard était blanc. Il n'y avait rien d'autre que le blanc de ses yeux. Alors que j'étais pétrifié face à cette ignominie, ses pattes m'attrapèrent. Je crus ma dernière heure arriver. Quand elle ouvrit la bouche, je me mis à hurler. Alors, quelque chose de plus étrange encore se passa. Une sorte de connexion se créa entre la créature et moi. Sans un mot, sans le moindre échange humain, j'avais la sensation d'avoir toutes les réponses à ce que je cherchais. Tout semblait prendre un sens. Je ne savais rien de plus. En tout cas, la partie consciente de mon être ne savait rien de plus. Mais dans mon inconscient, je savais que j'avais appris les secrets les plus profonds de l'existence. Puis je tombai au sol. Quand je me suis réveillé, j'étais dans l'infirmerie de la base. Maintenant, je dois percer les secrets de mon propre inconscient. Toutes les réponses sont ici.